Wow, bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Ah, parfois quand je suis là, je me pose tant de questions. Je me dis, mais que se passe-t-il souvent dans la tête de certaines personnes, surtout les filles, excusez-moi, mais ce que certaines filles font parfois, c'est hors du commun. Voici ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Soyez prêts. Regardez l'écran, regardez ça. Wow. Ah, voyez-vous? Est-ce que vous voyez quelque chose? Regardez bien ça. Que lisez-vous? On nous dit, la célèbre chanteuse a de nouveau fait une publication Instagram qui est rapidement devenue virale. Et ça commence à faire le buzz. On dit, après avoir posé la main dans le pantalon de son nouveau chum la semaine dernière, voilà que l'Américaine se dévoile dans une camisole blanche totalement transparente. Et c'est pas de la blague, hein? C'est bien réel. Si vous voulez savoir, c'est ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Bon, allons-y plus loin d'abord pour découvrir ce qui va se passer. On nous dit que le cliché partagé par Miley Cyrus est en fait un selfie de miroir de salle de bain. Avec sa camisole légère, la superstar porte un short de denim et plusieurs colliers et bracelets. Ah! Le problème n'est pas le fait qu'elle ait posté quelque chose. Le problème se situe au niveau au côté du côté transparent de la camisole. Bon, regardez ça. Ah! Que voyez-vous? Quand vous voyez ça, qu'est-ce que c'est? C'est incroyable, mais vrai. Le truc est tellement transparent qu'on voit carrément le bout de ses seins, ce qu'on appelle ses tétons. Et ce sont ces tétons même qui ont été cachés par le truc noir que vous voyez même à l'écran. Juste comme ça. Juste pour prendre des selfies, on est obligé de faire des trucs pareils. Sérieux! Et je vous assure que cette affaire a fait des millions de j'aime. Des millions de j'aime. Vous pouvez penser que c'est de la blague. Vous pouvez penser que ce sont des histoires. Mais regardez ça. Comme vous voyez à l'écran, on voit beaucoup de j'aime. Des millions de j'aime. Qu'est-ce que vous voyez? On voit, on dit, plus de 5 millions, 4, on dit 5 millions 465 000, 565 210 j'aime. Plus de 5 millions de personnes ont liké. Environ 5,5 millions de personnes. Sérieux? Et personne n'a eu peut-être la possibilité ou encore le courage de lui dire, ma soeur, tu es jolie, mais le vêtement que tu as porté là, vraiment, on voit tes seins, tu vois tes tétons. C'est comme si tout s'était dehors. Et moi, je me pose la question, mais pourquoi les gens font les trucs pareils? Est-ce que c'est pour faire le buzz? Est-ce que c'est pour faire le buzz? Est-ce que c'est pour attirer l'attention des gens? Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah! Affaire des selfies. Affaire d'Internet. Depuis que Internet est venu, tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut être vu. Et les gens se mettent à faire tout et n'importe quoi. C'est vraiment grave. Ça, ce sont des trucs terribles. Et nous devons vous parler de ça. Nous devons vous dire des choses terribles là-dessus. Nous devons vous expliquer ce qui se passe. Et même dire aux enfants que ce n'est pas bien. Sinon, qui va leur parler de cela? Qui va leur parler si nous voulons tous se mettre à faire la même chose? Cela, les parents doivent être vigilants sur tout ce que leurs enfants regardent. Pour ne pas qu'un jour, l'un d'entre eux se lève et pose une photo comme ça, croyant que c'est une bonne affaire. Or, c'est mauvais. Vraiment, c'est terrible. Dans quel monde sommes-nous? Instagram pas si.
Instagram par là. On ne comprend plus rien. Et comme vous pouvez le constater, c'est ça la vie. La vie d'aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout ça, ça fait maintenant partie de nous. Waouh! C'est hors du commun. Et quand nous prenons nos appareils, nos portables, on voit la même chose. On se dit, wow, c'est joli, c'est la mode. Et on doit faire tout et tout, tout et tout et tout et tout et tout. Les enfants ne comprennent rien. Et nous tous, nous sommes là. Il faut que nous revenions quand même et que nous apprenions à découvrir tout ce qui se passe par là. Et si nous jetons un coup d'œil rapide sur ce que les gens font sur les réseaux sociaux? Et si nous jetons un coup d'œil là-dessus? Bon. Allons maintenant sur les réseaux sociaux. Vous allez voir des choses terribles. Bien, Instagram. Bienvenue sur Instagram. Quand vous venez sur Instagram, vous voyez ça. Et quoi d'autre? Ouh! Encore des femmes, des femmes. Ouh, les filles! Les jolies filles! Ah, ma soeur, si tu es jolie, c'est bien. Mais n'oublie pas que tout ce que tu viens de faire, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Tu dois faire tout pour la gloire de Dieu. Tu ne dois pas faire tout n'importe quoi, ma soeur. Tu dois me croire. Tu dois me croire. Et regardez ça. Ce que les filles font souvent, même sur les réseaux sociaux, ça me dépasse souvent. Ça me dépasse. C'est pourquoi même j'hésite beaucoup à venir sur les réseaux sociaux. J'hésite beaucoup, 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 beaucoup. À cause de tout ce qu'on voit. Et c'est ça. Est-ce que ce point de photo, c'est mauvais? Il n'y a rien de mauvais. Mais c'est la manière dont on fait les choses, c'est là qui est même grave. C'est ça qui est grave. Et comme vous voyez, voilà. Voilà, parce que les hommes, moi, que je regarde la plupart du temps, les photos des gens. Ce sont les hommes qui se comportent bien, mais les filles, elles font tout et n'importe quoi. On a l'impression qu'elles veulent se déshabiller. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe-t-il même ici? Je ne comprends pas. Regardez ce que les gens sont même en train de faire ici. Voici ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ah! C'est ce que vient de faire quelque chose de vraiment très grave. Hein? Et les gens vont faire des trucs bizarres, vont se poster aussi. Bon, ok, je t'en écoute ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il ici? Ah, on voit des gens qui sont de causer. D'accord. Et ici? Ça, ce sont des photos simples en famille, en porte. On se dit, ouh, c'est génial. On peut se prendre en photo. Ou bien, il n'y a rien de mauvais à se prendre en photo. Il n'y a vraiment rien de mauvais, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Ça, c'est bien. Là, se prendre en photo. Ouh, regardez encore la femme. Regardez encore la fille. La femme aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui est devenue bizarre. Je ne reconnais plus la femme. Eh bien, je ne reconnais plus la femme. Où sont passées les femmes? Mais où sont passées les jolies femmes? Ah, je ne reconnais plus la femme. Franchement, il y a du boulot. On dirait que toutes les filles veulent toutes s'habiller de façon bizarre. Vraiment, c'est bizarre. Ça, ce sont les photos de personnes prises au hasard. Comme vous le voyez, c'est ça les réseaux sociaux. Mais pour faire le buzz, on a l'impression que les gens sont obligés de faire les trucs pareils. C'est-à-dire prendre des photos comme ça. Parce que les gens se disent que s'ils n'ont pas pris des photos comme ça, personne ne va regarder la photo. Sérieux? Si tu cherches à gagner le cœur des humains, si tu cherches à gagner le cœur du monde, tu risques même de t'éloigner de Dieu. Fais attention. Fais attention. Fais très attention, mes frères et sœurs. Ah! Maintenant, j'ai envie de vous parler. Regardez comment les femmes s'habillent. Regardez ça. Vous voyez vous-même? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Quand la fille s'habille, elle veut être plaquée d'une manière qu'on regarde les derrière. Qui sont ces personnes-là? Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et ça, ce sont les réseaux sociaux. Hein. Entendez-vous quelque chose? Bon, peut-être c'est un film nigérien. Bon. Ah! Qu'est-ce que c'est ce truc encore? Ouais, qu'est-ce qui se passe-t-il à l'école? Wow! Vous entendez quelque chose?
tout ça fait partie des réseaux sociaux. Regardez, regardez. Que veux-tu faire ici? Bon, peut-être la musique. Bon. Et ici. Are you ready to talk about tech services and why you do not need to take another coding course? Thank you. Thank you so much, bro. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? شو على دخل بطل معالف Ah, qu'est-ce que c'est que ça? ouais ملك Avez-vous الله vu quelque chose? Ah, ben je n'ai rien vu. Mais c'est que c'est un lion. Hein. L'animal de compagnie, c'est un lion. Sérieux? What? Mais j'ai l'impression que même le lion a peur. Regardez. C'est un lion, hein? Sérieux? يا رب براس مستاني براس يو فمك بعد تقدر تنكي دباب راح لامه C'est lui العب est devenu une star, بتاعك dirais, mais c'est lui est devenu une star. Le lion a peur aussi de pas dire lion. C'est bizarre quand même. Ah! Le lion! Que feriez-vous à leur place? Que feriez-vous? Hada, hada. هاش Ah! انسان ما شاء الله ما شاء الله عليه يا بس كب المعالف فادي والله هو كب المعالف Wood. Ok. المش ما عليك مو بجيك شيء Ah, ça finit pas depuis. سامي المشور Ah, mais toi, tu peux faire les posts de 2 minutes sur les réseaux sociaux, Instagram, quoi, et tout. Tu veux toucher le lion? Hey! Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est ce truc? Est-ce que c'est juste pour faire le buzz encore? Je ne comprends pas. Hey! Mais toi, tu veux frapper un homme. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elle est une femme. C'est un homme. Elle est frappée. C'est pour faire le buzz. Et puis, c'est filmé. Au lieu de venir de séparer la bagarre, le gars, il est là juste de filmer ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu fais quoi, le gars? Qu'est-ce que le gars t'a fait? Qu'est-ce que le gars t'a même fait? Ah! Les femmes. Mon ami, il faut lui donner une bise, ça va finir. Ah! Vraiment, c'est bizarre. Regardez ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux. C'est vraiment bizarre. Regardez ce gars. Quelqu'un va s'asseoir. Toi, tu viens à 9h juste. Elle le poursuit, hein. Regarde, je suis fast. Je suis fast. Et elle est rapide. Les gens veulent s'asseoir, toi tu viens à lever juste le truc. C'est pas bien, c'est pas bien. Vous comprenez, vous voyez comme c'est grave. Après, quand tu vas avoir des problèmes dans la vie, tu vas insulter Dieu. Tu vas dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va pas? C'est pas bien. Il faut essayer ça, ce n'est pas bien. Voilà encore les mêmes choses avec tous. Et les caméras filment toujours les derrière. C'est pas que c'est pas joli, hein. Tout le monde aime les trucs des femmes, mais ce qui s'est passé, ça devient vraiment grave. Même, regardez même ce qui se passe ici, dans cette photo même qui se trouve là, là. Je n'ai même pas envie de vous montrer ça. Tellement c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Avez-vous vu quelque chose? Je n'ai rien vu. C'est passé tellement vite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, pour devenir star sur les réseaux sociaux, il faut monter ses fesses, il faut monter ses seins, il faut faire comme ça. Enfin, si vous faites ça, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes en train de vous éloigner de Dieu comme ça. Et c'est le diable qui est en train de faire ça. Fermez vos yeux. Regardez. Et la caméra est en train de braquer même là où se trouvent même ses fesses. C'est pas un hasard. Et c'est fait exprès. Ah, après vous avez dit qu'on ne respecte pas les femmes. Après, vous avez dit que les hommes ne respectent pas les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que c'est ce truc? Que se passe-t-il? Comme on a dit, 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 on a dit,
kama unataka kuingia unakuja unauliza kama ni mtu sio unakuja unanigonga teke unanipiga mateke kwa nini mimi umesikia mtu corrected na saisha hii I'm sorry yeah. Nataka usaidizi wako kidogo unisaidishi kwa nini umesikia mimi nimekaa hapa kupatia ndo saidizi mimi ni Red Cross unataka ni naulizia penye gate 36 iko kwa nini unisikia mimi niko embassy hapa napatia na direction kutoka endi au endi que se passe ici je ne comprends pas bon ok très bien qu'est-ce que c'est que ça encore asante sana mkubwa ah il a été bien béni ou quoi watu na mumbo mungu na mumbo zifu bon comme vous le voyez, c'est pas de la blague. Les gens sont fait tout n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a même des princesses des réseaux sociaux, comme vous le voyez. Instagram ban sa plastique sur une chirurgie friteuse. Ah, Instagram a banni quoi les chirurgies plastiques. Sérieux? Affaire, vous avez vu ça? Hein? Il y a tellement de trucs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce une demande de mariage? C'est possible. Oh, voici les princesses des réseaux sociaux. Ce sont les rois des réseaux sociaux comme ça. Ah, des rois. D'accord. Comme vous le voyez, ce n'est pas de la blague. Il y a tas de trucs sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se marient. Pendant que les gens se marient, il y a d'autres qui divorcent. Il y a qui font 8 mois de mariage et se divorcent. C'est dur, j'entends, mais c'est la réalité. Mes frères et sœurs, voici ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Nous allons essayer de vous montrer quand même ce qui se passe. Et voilà, vous voyez maintenant de vous-même ce qui se passe. Et ça ressemble un peu à tout ce que vous êtes en train de voir. Au revoir, mes frères et sœurs. Abonnez-vous, ne manquez pas la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs. C'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go. Ouh, vous êtes au cola. Bon, ok, abonnez-vous sur notre chaîne. Cliquez sur ce bouton, allez, ça pas d'accueil. Et abonnez-vous sur ce bouton, c'est parti.